Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Louise, bonjour Karine. Vérène, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous allez bien. Bonjour, parfait. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va croire en vous. C'est pas tout le monde qui viendra vers vous, qui aura vu ce que cette personne va vous dire. Ah, tu sais, moi aussi j'ai vu ce que tu as vu là, oui. Je connais là où tu pars. Il y en a qui viendront vers vous parce qu'elles ont vu une personne qui est idiote. Vous comprenez bien. Donc, tu es dans ton couloir. Tu as ta mission de vie. Tu as déjà traversé tes problèmes là. Quelqu'un te voit de l'extérieur ou bien de loin. Il se dit, il faut que je vienne intervenir dans la vie de la fille ici. Donc, je suis en train de la cola. Tu dois intervenir dans sa vie. Tu n'as rien demandé. Hein? La personne va donc savoir, chercher comment se déguiser. Il lui faut un déguisement. Et vous savez que généralement, ils vont venir sous forme de d'agneau. Sinon, vous ne les laisserez pas entrer dans votre bergerie. Sinon, vous ne baisseriez pas la garde. Et vous savez, vous avez peut-être été... tu étais en Europe. Tu as gardé même tes 15 000 euros. Tu envoies ça à quelqu'un ici-là. Tu viens ouvrir un petit snack. Hein. Tu construis un petit meublé là. La personne ne connaît pas les efforts que tu as faits. Le chemin que tu as traversé. Va se masquer en un agneau. Et la personne, tu sais qu'il y a des gens qui sont doués dans ça déjà. Ils t'ont étudié. Il y en a qui sont même maîtres dans cet art. Écoutez. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous expose vos décepticons. Que Dieu vous montre les gens qui sont en train de vous bloquer. Les gens qui puisent dans vos caisses. Les gens qui abêchent. Tous les jours, tu travailles. Ça fait un an que tu injectes l'argent dans le business là. Tu ne vois jamais un bénéfice. Mince. Tu tournes à pète. Donc, tu es dans ton couloir, tu gères tes petits problèmes. Un coup ça va, un coup ça va pas, tu jongles comme tu peux, tu achètes ta voiture, tu as construit ta première maison, tu as fait la deuxième. La personne vient, ah, voilà une petite fille comme ça là. Ces choses avancent. La personne va entrer dans ta vie. Comment dire, envoyer du diable là. Je suis en route, vous allez supporter seulement les bruits.
la personne va captiver ton attention. Et c'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous partagez avec les gens. Tu vas devenir comme un mur. On te voit de l'extérieur, on dit que ceux qui me racontent, qui me côtoient, disent que mince. Quand on te voit sur les directs, on croit que tu es méchante jusqu'à. On ne savait pas que tu étais comme ça. Parce que tu dois couvrir, tu dois mettre ta barrière de protection. Les gens font mon camo, parce que je porte maintenant plainte contre les gens. Voilà, fait qu'on dit que ouais, on te gifle ici, là, tu donnes l'autre jour, on gifle encore. Tu mets ta barrière de protection. Parce que la personne qui est derrière toi là, la personne cherche ta réputation. La personne cherche tes dons. Tu as souffert depuis 8 ans pour raffiner tes dons. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je fais, c'est là. Vous pensez que j'ai commencé ça quand? L'homme qui est sur la voiture, là, j'ai envie d'aller lui dire d'arrêter ça. C'est quoi ça? Tu veux chauffer ton moteur ici là? La personne vient. Tu es dans tes galères. Tu gères ta vie comme tu peux. Non, tu sais, je peux t'aider. C'est pour ça que dans tout ce que vous faites, soyez toujours juste dans vos deals. Soyez juste dans vos deals. Parce que croyez-moi, ces gens, quand ils viennent vers vous, ils ont leurs agendas. Ils ont leurs agendas. On doit te décourager. On doit sucer ton énergie. Supposons que tu as déjà essayé, même depuis 7 ans que tu essaies, tu as déjà fait même 4 business en 7 ans au Cameroun. La 8e année, c'est là que tu commences à sucer l'argent de ton business. La personne va venir s'asseoir à ta caisse. Elle dit que, mais attends un peu. En 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020. Quand elle faisait, tu étais là. Hein? Mais je veux que vous compreniez que tout ça fait partie du processus. J'ai dit que quoi? Ça fait partie du processus. Rappelle-toi en 2014, tu avais lancé un truc là, on est venu, on a pris tout ton argent, on est parti avec. Est-ce que tu es morte? Ok, foi. Ok, fou, non? Voilà. En 2016, tu as encore lancé l'autre. Ça n'a pas fait 6 mois. Tu as fermé. 2019, tu fais 3 ans pour te lever. 2019, tu mets encore l'autre sur pied. Tu ne sais pas qu'on est en train de te former. Et quand vous mangez, marchez dans votre quartier, regardez les grosses maisons, regardez les grosses voitures. Ceux que vous voyez là, ils vont vous dire le nombre de fois qu'on les a vaccinés. Ils vont vous dire le nombre de fois qu'on les a vaccinés. Que j'avais mon meilleur ami. Je lui ai fait confiance. Il a même pris ma femme. Il s'asseyait que dans mon salon. Il mangeait ma nourriture. Puis il couche ma femme sur mon lit. Après, il prend mon argent.
Bonjour Marina. Martin, ne fais pas comme si quand il vient à Libreville, tu me vois toi. Hein. Depuis que tu me suis, tu sais que je suis à Libreville. Tu ne viens pas me voir, donc me dérange pas. Je crois pas qu'elle va rentrer à Libreville parce que tu es là. Faut pas m'embêter. Parce que si tu ne te rappelles pas du parcours que tu as eu, tu vas oublier. Tu vas penser que tu es faible. Gars, chérie, tu sais quoi? Rappelle-toi du nombre de fois où on t'a fait ça dû dans le passé. Ouais. Rappelle-toi. Parfois, tu as porté ton argent, tu as mis dans la crypto-monnaie, oh, dans. Wow. Tu fais telle chose, oh. Voilà, l'autre dit que son transitaire. Tu vois 4 ans d'économie partir dans l'eau comme bien. Tu dis yes, ça. Tu te concentres encore. Un an, tu as encore l'argent. Tu vois que l'argent là sort d'où? Ta puissance. Vous savez, un jour j'écoutais un monsieur s'appelle Sunday Adelaja. L'homme-là m'a beaucoup aidé. J'ai lu beaucoup de ses livres. Il a la plus grande église de l'Ukraine. Je l'écoutais quand il a une période très basse de ma vie. Rien ne marchait. J'ai rasé mes cheveux, j'ai dû recommencer tout à zéro. Ça, c'était en 2020 quand il y a le corona. Il y a quelque chose qu'il a dit dans un de ses livres un jour. Aucune énergie. Aucune énergie ne se perd. Quand tu es parti, tu as aidé quelqu'un. La personne arrivait en Europe. Il devait même te rembourser. Il arrive, il t'insulte. C'est toi qui devais mettre la méchante personne là-bas. Partout dans tous les bars de Bruxelles, on connaît que c'est toi qui es le méchant. Que tu as voulu l'utiliser, tu as voulu. Il n'y a que toi ceux qui connaissent ce que tu as fait à la personne, ce que tu lui as fait. Ce que tu as fait pour cette personne. Quelqu'un arrive comme ça, tu le prends, tu le conseilles. Que si tu veux réussir ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Personne arrive, elle voit ta maison. Elle voit ton mari, tes enfants. Demain, elle commence à tirer sur ton mari. Tu dis que yes. Que yes. Demain, cette personne m'a parlé tellement de toi. Que tu ressens ça, tu es choqué. Tous les 4 coins de la ville. On dit, mais tu as fait que quoi à la fille là, non? Elle était ici hier, le Jacques a parlé de toi. Elle. Tu fermes seulement ta bouche. Quelqu'un vient, mais tu as ouvert ton restaurant. Que non, je vais gérer, je connais préparer, je connais. La maison prend ton restaurant et mof. Elle suce ton argent. Elle prend tes clients. Et moi, je dis encore qu'un client qui vient dans ton business, ton employé prend le client et il part avec le client. C'est que ce n'était pas ton client. Tu m'écoutes. Parfois, vous vous morfondez sur les gens qui n'étaient même pas pour vous. Vous vous morfondez sur les gens qui n'étaient même pas pour vous. Ah, elle a pris mes clients. Elle a... Tu dois comprendre que tu as you are the original one. Je suis l'authentique. Quand on dit que tu es l'original, pardon, vous ne vous connaissez pas. Hein? Souvent, reste comme ça, un collaborateur fait quelque chose. Je regarde seulement ça là.
J'ai dit, ouais, Seigneur. Juste en mentionnant, si quelqu'un parmi vous, je ne travaille plus avec Julie de Yaoundé. Donc, je travaille plus avec Julie de Yaoundé. Ce qui fait que si vous la contactez sur son numéro personnel, parce qu'il y a des gens avec lesquels je travaille qui donnaient leur numéro personnel à mes clients. Donc, si vous voulez que vous ayez travaillé avec elle, ce ne sera pas sur mon compte. Je vous dis, moi, cache-la maintenant. Donc, je ne travaille plus avec Julie qui est à Yaoundé. Donc, si vous, il y a un numéro de Yaoundé qui est le 655. Ce numéro fonctionne. Et c'est le numéro de mon entreprise. Mais si vous avez des deals personnels avec elle, allez gérer ça. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Vous allez avoir des gens qui vont arriver et qui vont croire que parce que je marche avec la personne-ci, je suis plus grand que cette personne. Tu peux être avec un homme, mais vous sortez ensemble. On te donne les honneurs parce que tu es la femme de l'homme là. Il dit que, écoute-moi bien. Tu ne connais pas que, tu ne sais pas ce que l'homme là fait dans la vie des gens. Tu ne sais pas les vies qu'il a sauvées. Tu ne sais pas les gens qu'il a aidés, conseillés, les scolarités qu'il a payées. Arrive dans sa vie, il a fait 20 ans de service à la nation. Il te prend, il te met chez lui que tu es sa deuxième femme, même que tu es sa première femme. Mais pas te voilà, tu commences à prendre les grands airs. Comme tu arrives à l'entreprise, on dit madame, tu crois que parce qu'on t'appelle madame là, tu commences à lui manquer de respect à la maison. Tu commences à manquer de respect à cet homme qui t'a donné les honneurs, à cause de qui tu as tous ces honneurs. Écoutez, les gens sont amnésiques. Amnésiques. Donc, on dit la short time memory là. Leur mémoire, c'est très court. Il y a des gens qui travaillent avec moi. Dans votre vie, est-ce que vous savez qu'on allait vous appeler reine un jour? Arrive, on dit reine telle, reine ceci, roi cela. Oh, la personne m'a dit que mince, on m'appelle reine, on m'appelle roi, on me respecte. Non, la reine, je aussi la crois même que quoi. Moi aussi, je peux. Parfois, tu as un petit comme ça. Elle était petite. Hein? Oh, Seigneur, un de mes petits m'a fait ça dernièrement. Il m'a fait un tapé de là que j'ai dit que yes. Yeah, le petit, mon frère. Non, les gens sont forts. Ça n'est pas moi ma cola. Si j'avais même une petite Guinness là. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, ces gens-là viennent abuser de vous parce qu'ils n'ont pas de vision pour leur propre vie. Ils ne connaissent pas là où ils partent. Et comme ils ont commencé à se frotter à toi, quand quelqu'un reste avec moi, tu travailles avec moi. Hein? Quand tu travailles avec moi, tu vois souvent quelqu'un qui a la Prado. Quelqu'un appelle des États-Unis, du Canada. Bonjour, reine-mère. On me respecte. Après, la personne me regarde. Mais ce n'est pas la petite fille là qui porte ce t-shirt ici là. Après, la personne commence à te parler un genre. Je regarde seulement comme ça là, je dis que yeah, hey, hey. La simplicité, ne méprenez pas la simplicité pour la bêtise. Simple ne peut pas dire que tu es bête. C'est juste que vous n'avez pas d'importance. Je ne peux pas me casser pour vous impressionner. I just can't do that. Je ne peux pas me casser pour vous impressionner. I'm too busy. Oui, Mira, tu peux acheter. Je suis à Yaoundé aujourd'hui. Toute la journée d'aujourd'hui, je suis à Yaoundé.
Donc tu peux acheter, quand tu viens tout à l'heure, tu peux acheter ça à Titi Garage. Quand tu allez dans la moire de Mark Zuckerberg, vous voyez combien d'habits il porte par semaine. Quand tu es trop concentré sur ta vision, tu n'as pas le temps d'impressionner les gens. Imaginez un peu, vous m'appelez. Je suis là, je vous montre mes ongles. Quand ça me pique, pas, il fait mes ongles. Quand ça me pique, j'enlève. L'autre jour, il fait exactement le même jour. Tu vois, la personne est là. Ouais, elle entre d'abord. Elle veut te montrer qu'elle a 5 parfums sur elle. Elle s'assoit. Elle tape les airs. En tout cas, moi, quand je vois ça, ça m'amuse. Je sais pas pourquoi. Je pense que si quelqu'un vient vers moi, mon physique ne va pas te soigner. Que je sois bien habillé, que je sois mal habillé, ce qui t'intéresse, c'est que j'écoute ton problème et que je t'aide à trouver ta solution. Maintenant, je sais qu'il y en a parmi vous, vous aimez qu'on vous impressionne. Je vous ai dit, vous n'allez pas trouver ça dans ma maison. Je suis désolé. You're not going to find it here. I'm sorry. Souvent dans la rue, les gens me voient. Ils disent que ce n'est pas toi qu'on voit sur TikTok là-bas. Je dis que non, ce n'est pas moi. Chez là, je suis à Yaoundé. À Douala, vous aurez lavage aujourd'hui, mais ça va se passer avec le roi Georges. Moi, je suis physiquement à Yaoundé aujourd'hui. J'ai trop abandonné les gens de Yaoundé. Donc Yaoundé, vous allez profiter de moi aujourd'hui. Vous devez comprendre que ce ne sont pas les gens qui sont autour de vous qui vous font. Ce ne sont pas les gens qu'il y a autour de vous qui vous font. Ce ne sont pas... Je dis aux gens que j'ai tellement échoué que... J'ai tellement tombé. Quand je vois quelqu'un peut-être voit que je fais une chute physique, je sais pas, visible par tout le monde. Et je dis ouais. Je ris. Je dis que oh. Et tu savais le nombre de fois que je suis tombé. If you knew. J'ai le diplôme en relevage. Où on dit quoi là? Tu vois quand le chat, tu lances le chat au sol, mais il tombe surtout sur ses pattes là, non? Donc, j'ai le diplôme de ça. Tu me fais tomber aujourd'hui là, je tombe à 10h, à 14h, je suis en train de faire autre chose. Bonjour Kodiane. 14h, je suis en train de faire autre chose. Je suis en train d'innover. Je suis en train de changer, d'ajuster. J'ai mis le numéro sur la vidéo. Si vous appelez après le direct, on va vous répondre. Il y a une école là-bas qui s'appelle l'école primaire Les Biquetins. C'est dans la rue de l'école là. Il y a deux numéros, le 655-310750. Et le deuxième numéro, c'est le 678-922-578. Que parfois, et je vous dis encore, les échecs seront encore plus forts. Plus vous allez avancer. Donc, supposons avant, tu perdais 1000 euros, 2000 euros. Il y aura des temps où tu vas te retrouver comme ça. Là, en une semaine, tu vas perdre même 10 000 euros. Donc, ce sera encore plus grand. Ne croyez pas que ça va diminuer. Maintenant, plus grand, c'est...
plus rapide ta montée sera. Dans le fait que je te relève, en fait. Très souvent, voir quelqu'un, il va te dire, on m'a détourné 50 millions ici là. Et ce qui est bizarre, c'est que les 50 millions qui ont été détournés là, la personne va partir, il ne va rien faire avec 50 millions. Mais en l'espace d'un mois ou deux, celui qui a perdu 50 millions, 50 millions vont revenir à lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est quelque chose qui est très amusant. Bonjour Pierre Précieuse. Bonjour Yvette. Les gens sont venus te vider, te mettre à terre. Et le plan qu'ils avaient sur vous, il y a un passage qui est, pour moi c'est un passage clé. Je crois qu'il faut que j'imprime ça, je mets dans mon bureau. Genèse 50, verset 20. Vous avez planifié ça pour me faire du mal. Mais le Seigneur l'a changé en bénédiction. Pour sauver plusieurs vies. Alors, il faut que quitte d'abord ici là. Vous aimez le bout du risque ici là. Il dit, mais le Seigneur l'a transformé en bénédiction pour faire du bien à plusieurs personnes. Parce que ce qu'on avait prévu pour te faire du mal là, et je sais que vous ne croyez peut-être pas, mais il y a des gens qui s'asseyent, ils concoctent. Comment est-ce qu'on va faire du mal à Jocelyne? Elle croit même que quoi? Elle va voir. Elle va voir. Ouais, Seigneur. L'homme s'est dit qu'il maîtrise la route. Ouais, Seigneur. Il a cassé le magasin de quelqu'un. Il a menti. Je ne suis pas censé mourir aujourd'hui. Moi-même, n'est-ce pas, je suis passé là, je suis assis là. Oui, je dis que non, c'est pas aujourd'hui qu'elle va mourir. Tu as fait même quelque chose, non, mon frère? Ouais, Seigneur. Et quoi qu'il a bu à 6 heures? Tu sais comme ça là, tu dis garage, c'est grave. C'est mon premier jour dans ce coin-ci là. Non, ça va. Je suis dépassé. En fait, il a pris son camion. Je ne veux pas savoir. Quand il tournait, il manœuvrait devant moi. Je regardais, je dis le gars là. Il veut tuer les gens ici le matin. Je crois qu'on lui a demandé les gens à la sorcellerie. Il a dit. Ouais, Seigneur. Bon, je vous disais ceci. Il y a des gens qui vont rester dans leur maison. Certains sont dans vos entreprises. Certains sont même vos ménagères. Le pire, c'est quand tu es ménagère sorcière. C'est grave. Et ils vont se demander pourquoi elle réussit. Pourquoi elle a du succès et moi, je n'ai pas. Parce que dans leur cœur est trop noir. Je ne sais pas pourquoi, mais le cœur des gens là est trop noir.
Leur cœur est trop noir. Quand ils sont là, ils te voient et tu réussis, ça ne laisse. Ça ne... Et c'est que quand j'y pense encore, je me dis, si tu me vois aujourd'hui, j'ai atteint seulement 2% de ce que Dieu a prévu pour moi. Tu es jaloux. Quand il va atteindre 10%, tu vas faire comment? Tu vas te tuer. Quand il va atteindre 50%. Et je sais que les gens n'ont pas... j'aime beaucoup observer les gens dans la fin de leur vie. Tu vas voir une personne qui a détourné l'argent du gouvernement ou bien détourné, je sais pas, faire du mal aux gens, prendre l'argent des gens, partir avec. Il peut y construire des trucs, il construit l'hôtel, il construit les meublés. Ce qu'il a construit là, hein, une autre personne va venir tout prendre. Et à la fin de sa vie, cette personne sera sans rien. Maintenant, tu vas voir une autre personne. Au début de sa vie, il n'a peut-être pas. Il passe 15, 20, 25 ans, 30 ans, vous vous moquez de lui. Il est bon avec les gens. Il est gentil avec les gens. Il est fidèle. Il est loyal. Il est juste. Premièrement, je vais vous donner l'exemple de mon chauffeur. Je crois que vous connaissez un monsieur Abbé Solo. Quelqu'un m'a parlé de cet homme-là hier. Elle dit que la personne dit qu'elle le connaît depuis 15 ans. Qu'en 15 ans, l'homme-là est comme il est. Donc, il n'a pas changé d'un trait. Et il a sept enfants. Et... je regarde et dis que waouh. Quand tu vois le genre de personne, je suis sûr que même ses parents étaient aussi bons. Ses grands-parents étaient aussi bons. Maintenant, lui, il récolte la bonté de ses parents, de ses grands-parents. Vous croyez que les enfants de cet homme vont souffrir? Parfois, quand vous commencez votre travail spirituel, vous devez être patient parce que parfois, vous récoltez les malédictions de beaucoup de personnes. Tu as ta tante, tu as ta grand-mère, tu avais qui ont fait le mal. Donc comme tu es là, tu es la première personne dans ta famille qui veut commencer à faire du bien. Peut-être même depuis que tu as les 30 premières années de ta vie, hein, tu n'avais aidé personne. Et pour commencer à faire du bien, tu dois chercher seulement une personne que tu aides d'abord. Je sais que vous aimez toujours quand vous aidez, vous n'aimez jamais aider les gens. À la rentrée comme ça, cherche même deux enfants, tu peux même seulement le cahier ou le sac, tu le donnes. Et c'est que vous vous dites toujours que, est-ce que j'ai même d'abord, j'ai même pas pu payer pour mes enfants, comment est-ce que... Comme tu payes pour deux enfants de quelqu'un, parce que tu as toujours un peu plus d'argent que quelqu'un quelque part. Comme tu payes pour eux, tu vas voir, quelqu'un va rester comme ça un jour. Il aura l'idée que, il faut qu'il donne l'argent à tes enfants. Pour rien. Si on va appeler ça karma, si on va appeler ça la roue. Il y a des gens qui sont partis de mon entreprise l'année passée en m'insultant. J'ai un d'entre eux cette année, il m'appelle. Oh, s'il te plaît, j'ai besoin d'une lettre de ta part, une lettre de ta part. Je vais demander le visa pour le Canada. Ouais, pardon. Il dit, waouh. Jeune homme, tu m'as insulté l'année passée, non? C'est pour ça que On est des êtres vivants physiques, mais on est contrôlé par quelque chose qui est invisible et qui est juste. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucune énergie ne se perd. Rien de ce que tu as semé dans les gens ne peut être perdu. Jamais. Donc, ayez la foi. Vous êtes tombé 5 fois, 15 fois. Relevez-vous juste. Retracez vos plans.
et avancer. On a pris ton argent, on est parti avec. On a fait ceci. Il n'y a pas de problème. Tu as tes manques, non? Fixe-toi encore un objectif. Bonjour le petit oiseau, tu me trouves toujours partout. Un petit oiseau. Hey, quatre petits oiseaux. Bonjour. Six petits oiseaux. C'est comme si elle est stripteaseuse ici, là, elle est en train de rentrer chez elle. Waouh! Il y a les professions ici. Hein. Bon, Titi Garage, à partir de 10h aujourd'hui. Hein. 10h. Les numéros sont sur la vidéo ici, là, vous pouvez appeler.